petite présentation sous l'eau. C'était le but de ce téléphone, être sous l'eau, parce que c'est un téléphone qui résiste à tout, soi-disant. Il résiste au choc, à l'immersion, à la poussière, bref, un smartphone anti-choc et anti-noyade. Alors, premier point, on va faire déjà le tour de la boîte et voir son contenu. Et après, on abordera le tour du téléphone, mais tout de suite, la boîte. Bon, le tour de la boîte, un chargeur de 2 A, un câble OTG, plutôt pas mal de fournir ça avec une version light à peu près à 100 €. Vous avez un film supplémentaire pour protéger votre écran avec une petite lingette pour le nettoyer régulièrement. Quoi d'autre? Un câble USB, micro USB, point. L'intérêt du T5, c'est ceci. Soit un simili-cuir, on va dire, orienté plutôt classieux, même si c'est un bien grand mot, avec cadre sur le côté en métal alu. L'intérêt, c'est ceci. Vous pouvez changer le look de votre téléphone en quelques coups de tournevis et de passer du cuir simili, bien entendu, au plastique. Alors, suivant vos humeurs, vous êtes plutôt plastique, vous êtes plutôt cuir, bah vous changez. Et voilà l'intérêt de la chose. Un modèle plutôt orienté sport et l'autre plutôt orienté classieux pour sortir le soir, même si le téléphone en lui-même, on va dire, est loin malgré tout d'avoir une certaine classe, parce que déjà par son épaisseur, par son design, c'est costaud, c'est lourd, mais vous le verrez, le téléphone sans ce qu'il y a dedans est plus léger. On regardera ça plus tard. Maintenant, vous passez sur les specs. Bon, est-ce qu'on va vous montrer les résultats des benchs? Pas très utiles. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes sur du MT6735. On a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Les caméras sont plutôt correctes. Vous verrez ça par le biais des photos. On en parlera à ce moment-là. Maintenant, ce téléphone, il est réalisé pour être solide. Voilà son intérêt. Et surtout, supporter l'eau et les immersions. Alors, avant de vous remontrer une immersion totale de ce modèle, nous allons changer la coque arrière et les côtés. Alors, vous me suivez, on va se mettre très certainement en accéléré, mais voilà, on va le démonter. Alors, les deux façades, en tout cas les deux côtés, ont été changés. Voilà, on va changer la coque arrière. La coque arrière, elle est assez dure, donc vous n'avez qu'une petite encoche ici. Voilà, il faut y aller avec des bons ongles, hein. C'est clair, ou alors un léger tournevis. Et alors, sous cette coque, voilà, vous avez cette protection en caoutchouc qu'il vous faut retirer. Mais surtout bien replacé par la suite. Vous avez des petites encoches pour bien l'enclipser en fait à l'intérieur pour qu'elle tienne correctement. Fait intéressant, la batterie 4500 mAh et regardez son épaisseur. Voilà, vous le voyez, elle est vraiment épaisse et lourde. On va d'ailleurs la peser tout de suite, comme ça, ça sera fait et vous comprendrez pourquoi je dis que ce téléphone est assez lourd en main. La balance est prête, on pose la batterie, à elle seule elle fait 70 g. Le téléphone est annoncé, sans dire de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite en regardant sur ma petite fiche, le produit fini est donné pour 250 g, moins les 70 g de la batterie, vous arrivez à un téléphone
de 180 grammes et effectivement sans la batterie, il est vraiment léger, léger, léger. Donc je remets la batterie et on va redémarrer ce téléphone. Alors, on retire la balance. Voilà, et on remet la petite, on va dire, capote, hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'une capote, comme une capote de voiture. Hein. Pour les esprits mal tournés, je ne pensais pas du tout à une capote de protection pour les MST, mais je pense bien à une capote de voiture. Et donc là, c'est une capote de téléphone. Donc vous l'enclipsez correctement, voilà, et on va mettre du coup la coque plastique. Voilà. Surtout bien l'enclipser parce que sinon l'eau va pouvoir rentrer. Donc vous voilà avec un téléphone d'un design différent, sans cuir. Alors par contre, vous le voyez, l'écran, il marque énormément, énormément les empreintes. Il n'y a aucun traitement de surface. C'est vraiment, voilà, ça récupère énormément le gras des doigts. Bref, son but n'est pas là. Son but est d'aller sous l'eau. Alors, important à noter, c'est que ce téléphone n'est pas IP68, mais IP67. Alors, pour information, je le rappelle, la différence entre IP68 et IP67, la connaissez-vous? Peut-être pas. 68, alors le 6, c'est la coque, donc le châssis, et 6, ça résiste à la poussière. Ensuite, le chiffre d'après, c'est la résistance aux projections d'eau. Important. Les 7 et les 8 étant les plus importants, le 7 va sous l'eau, le 8 aussi. Mais il y a une différence entre les deux, c'est que l'IP67 ne reste normalement pas plus de 30 minutes sous l'eau. L'IP68, suivant le traitement qui aura été fait sur le téléphone en termes d'isolation, de protection contre comment dire, l'entrée de l'eau à l'intérieur, eh bien écoutez, l'IP68, c'est très variable. Si le fabricant a fait, on va dire, des joints plus que corrects, alors il pourra rester assez longtemps. Mais par contre, en IP68, le fabricant, c'est à lui de mentionner la profondeur à laquelle peut aller le téléphone. Contrairement à l'IP67, je vais y arriver, l'IP67 n'est donné que pour 1 mètre de profondeur. Donc, on va dire une immersion accidentelle. Voilà. Contrairement à l'IP68, où normalement, vous pouvez plonger avec et prendre des photos sous l'eau. Voilà. C'est ça la grosse différence entre le 67 et le 68. Voilà le téléphone que nous allons tester maintenant et essayer de vous montrer ce qu'il vaut sous l'eau et est-ce qu'il fonctionne. Et surtout, après, analyser le contenu sous la coque et voir s'il y a de l'eau à l'intérieur. En tout cas, s'il y en a sur la petite capote en caoutchouc, c'est pas bien grave. S'il y en a en dessous, c'est beaucoup plus grave. Mais on devrait le savoir rapidement parce que s'il y en a en dessous, le téléphone se coupera. Alors, on y va tout de suite et on va découvrir ça sous l'eau. Alors, vite fait, avant de le plonger sous l'eau, l'écran est très sincèrement beau, très beau. Alors, n'en déplaise aux utilisateurs actuels qui ne voient que par les bordures fines, ce téléphone, je vous les montre, elles sont loin d'être très fines. Elles font même un bon 5 mm d'épaisseur de chaque côté. Mais je pense que vous l'avez vu, certaines vidéos commencent à circuler sur le Xiaomi Mi Mix. Et le Mi Mix, et malgré sa céramique, eh bien écoutez, l'écran subit des chocs, même à très faible hauteur, très violents. Du fait de quoi? Bah d'un écran totalement sans bordure. Et ça fait pas de cadeau. Alors, effet de mode qui va pas durer. Parce que foncièrement, un écran sans bordure, c'est peu résistant. Et on le sait tous. Il casse très vite. Un exemple. Il n'est pas sans bordure, mais le verre est juste au bord en fait du châssis. Qu'est-ce qui se passe sur mon Le Echo 2? Bah vous le voyez, il s'est bien fissuré. Et ça, c'est un choc, voilà, sur le côté, donc ça résiste pas parce qu'il n'y a aucun élément qui va permettre de protéger l'écran sur les côtés. Donc là, vous pouvez le faire tomber, normalement, il résistera. Alors, je trouve que, écoutez, c'est un écran en tout cas très sensible
Il réagit très très bien au tactile. Alors pour vous montrer quelques exemples de résultats de bench, on va procéder de la manière suivante. On va procéder à une immersion, vous le voyez. Voilà, il y a de l'eau, donc pas de souci. Et puis on testera aussi son écran, voir ce qu'il vaut sous YouTube. Bien écoutez, sous l'eau, on va faire les tests sous l'eau. Je trouve que c'est une première et c'est une bonne première. Alors, eh bien écoutez, on lui souhaite bonne chance et nous allons en immersion totale. Voilà. Eh bien écoutez, déjà la caméra s'est mise en route. Alors, on va... Alors déjà, le tactile, ça ne veut pas fonctionner. Donc, alors on va sortir de l'eau. Voilà, il faut sortir de l'eau pour que le tactile fonctionne. Ok, ça c'est pas très très pratique. Et on va lancer donc les outils de bench. Pour l'instant, il fonctionne toujours. Hein. Vous le voyez, ça coule. Bon, l'eau reste quand même, malgré tout, je trouve, un peu trop sur l'écran. Ça manque de traitement, écoutez, de surface très clairement. Parce que l'eau, vous le voyez, ne fait pas de gouttes. Et l'eau reste vraiment, vraiment en surface. Alors là, on voit bien l'angle de vision, il est très bon, donc pas de souci. Mais par contre, il faut vraiment que l'écran, vous voyez, il y ait plus d'eau ici pour qu'on puisse toucher le tactile des touches. Alors, on va regarder Antutu et on va tester ça sous l'eau pour voir si ça fonctionne. Je prends mon petit essuie-tout pour bien m'essuyer les mains. Et on y va. Alors, est-ce que ça fonctionne sous l'eau? Alors déjà, le tactile, vous le voyez, ne fonctionne pas sous l'eau. Bon. Ben, écoutez, ça va être difficile de vous montrer quelque chose. Mais en tout cas, il n'y a pas de bulle autour. En tout cas, j'en vois pas. Voilà, on ne voit pas de bulle remonter. Il tient. Mais vraiment, là, le tactile, non, il n'y a rien à faire. Voilà, on ne peut pas... Il n'y a rien à faire du tout, ça bouge pas. Ça queen. Vous l'entendez. Je vais essayer de le faire plus fort. Mais je trouve que c'est une jolie image. Je vais garder celle-ci d'ailleurs comme prise de vue initiale pour YouTube, comme, enfin, comme page de photo de présentation de cette vidéo. Mais vous le voyez, le tactile, non, il n'y a rien à faire du tout. Hein. Donc là, c'est Tintin, pour ne pas dire autre chose. Voilà, il est bien trempé. Alors, eh ben, écoutez, je vais quand même vous montrer rapidement. Donc les touches ici fonctionnent parfaitement. Voilà. Mais vraiment, le traitement est bizarre, en fait, hein, quand même. Hein. Donc attendez, je vais l'essuyer quand même. Voilà. Dès qu'on sort de l'eau, ça fonctionne parfaitement. Donc le résultat en tout, vous doutez bien, du 6735 version P, donc à 1 GHz, 23 000 points, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande juste de résister à l'eau et à la poussière et au choc. Donc écoutez, on va pas aller, je vais pas vous refaire l'intégralité des tests d'écran, hormis peut-être le multitouch, vous avez quand même un écran 5 points. Ensuite, je vais vous montrer... Après les résultats du GPS, Malwarebytes, il y a un élément, et c'est l'élément qui vous permet de mettre à jour votre téléphone. Alors, en ce moment, Malwarebytes ressort régulièrement des soucis sur ses outils en fait, d'update OTA. Et vous n'avez pas le choix de le laisser parce que sinon la mise à jour ne se fera pas. C'est peut-être un nouveau moyen de la part des Chinois de contrôler ce que vous faites sur le téléphone, je ne sais pas. Mais... lui, il juge que c'est un malware. Bon. Au niveau MTK Engineering, on va regarder ça rapidement tout de même. Au niveau des bandes mode, la SIM 1 contient l'ensemble de toutes les bandes de fréquence. Et sur la LTE, vous avez la 1, 3, 7, 8, 20. 1, 3, 7, 8, 20. Voilà. Donc, pas de souci. Vous avez aussi la 900 en 3G.
Ensuite, que dire de plus? Bah, écoutez, Epic Citadel, c'est pas, bien sûr, vous vous en doutez, avec un Mali-T 720, c'est pas la fête. On va regarder ça dans le gestionnaire de fichiers. Alors voilà, quand même les dégradés de couleurs, je vous les avais prises en photo, parce que vous le voyez, ils sont très bons. Très honnêtement, ils sont vraiment nickel. Voilà, une belle image. Les dégradés de couleurs sont nickel. Un écran qui fonctionne parfaitement. Alors voilà une image de. Vous voyez que l'image est quand même plutôt jolie. On est en HD uniquement et donc le nombre de frames par seconde est quasiment à 22. Hein, c'est pas de miracle avec ce genre de choses. Mais ce que je vous propose, c'est que moi je vais le laisser un peu sous l'eau. Voilà. Je vais aller me promener. Je vais me mettre en accéléré. Et si vous voulez bouger, bah, vous bougez et puis vous revenez d'ici quelques temps. Mais voilà, donc vous le voyez, il n'y a pas de bulle, hein, aucune bulle. Alors à savoir que j'attends d'autres téléphones de ce type, IP68, en l'occurrence la marque Nomu, avec normalement un S20 et un S30. Et je les comparerai directement en fait en les ficelant et en allant dans un fleuve, pas très loin de chez moi. Ou voir dans un lac et aller faire un test d'immersion totale. Ça sera le test d'immersion des téléphones IP67-68 et voir ce que cela donne dans la vraie vie en dehors des vidéos que l'on peut voir sur le net faites par les fabricants. Voilà, donc je laisse filer et puis allez, je lui ai laissé 5 minutes et puis on verra ça d'ici quelques instants. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà revenu. A priori, rien n'a bougé, même pas la batterie. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bon signe. L'eau est très fraîche, hein, donc je n'ai pas de capteur de température. Quoique, si, on va essayer de mesurer la température de l'eau. Je ne sais pas si cela va fonctionner correctement, mais on va essayer. On est à 20 degrés. Bon, elle est fraîche, mais sans être trop fraîche, hein. Donc 20 degrés pour la température de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des bulles. Moi, en tout cas, autour, il n'y a pas grand-chose. Je dirais même plus, il n'y a rien du tout. Donc, on le sort de l'eau. Voilà. On va l'essuyer quand même. Je le tiens. Voilà. On va retirer cette petite bassine d'eau sur le téléphone, je vais la garder. Ça va pas tomber, c'est pas bien grave. C'est le prix que ça coûte. Hein, c'est pas très cher, je vais pas la marque, les petits plastiques, parce que sinon, la semaine de marque, tout ça, ça craint. Ah, ça fait... Alors, écoutez, hein, on va faire ce qu'on a dit. Hein, on va l'ouvrir et vérifier ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a de l'eau? Alors, je vous rappelle que ça ressemble quand même étrangement à un modèle de l'ancienne génération de chez Dougie. Le Titan, et il y a eu le Titan 2. Après, on se refera une immersion, mais pour regarder la qualité de l'écran en vidéo. Alors, il n'est pas facile à ouvrir, celui-là, il est même moins pratique que l'autre. Parce que l'autre, comme il est un peu plastique mou, là, c'est un truc à se casser les ongles. Voilà, avec mon pouce, c'est beaucoup mieux, il est plus fort. Alors, allons-y, on ouvre et on va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a de l'eau. Mais alors, il y a de l'eau, je pense que c'est le haut-parleur. Non, pourtant, le haut-parleur, il y a bien un film. Et vous le voyez. Voilà, il y a des petites traces d'eau là. Hop, je les essuie. En haut, il y en a aussi ici. Voilà, vous le voyez bien. Alors, est-ce que ce joint, cette capote en caoutchouc a fait son effet?
Alors, si on regarde un peu où rentre l'eau, elle rentre tout autour finalement, mais principalement là où il y a le haut-parleur. Donc c'est assez étonnant puisqu'il y a un film de protection, hein, vous le voyez bien. Voilà, il y a un film de protection pour le haut-parleur. Il semble bien collé. Il me semblait avoir bien positionné tous les clips pour la coque arrière. Peut-être ai-je mal inséré certains picots, il ne me semblait pas. Donc si on efface toutes les traces d'eau tout autour, ici, voilà, et que l'on soulève cette petite capote en caoutchouc, eh bien écoutez, la batterie est sèche de chez sèche, archi sèche. Ça vous rappelle rien dans votre enfance, ou alors pour les jeunes, peut-être qu'ils aiment le sortir, mais bon, bref, trêve de plaisanterie, ça semble être plutôt bon. Non, non, il n'y a aucune trace d'humidité sous la capote, donc en plastique, qui fait vraiment son effet. Et vous le voyez, je le montre, hein, il n'y a pas de trace d'eau sur le dessous. Donc, cette capote en caoutchouc est très efficace. Autre chose à vérifier que je vais vous montrer tout de suite, on remet cette capote et surtout, hein, chaque fois, remettez-la très 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 correctement parce que c'est vraiment la chose primordiale qui permet de protéger ce téléphone. Voilà, bien appuyé tout autour. Alors c'est peut-être fastidieux comme chose à faire. Bon, on peut le concevoir, mais là, en l'occurrence, ça fait son effet, même si c'est humide autour, effectivement. Donc, écoutez, effectivement, sous la coque, il y a encore de l'humidité, hein, voilà, on le voit bien, c'est pas grave. Alors, je pense que d'ailleurs, ça peut rentrer à mon avis, par le trou du flash et du capteur de caméra, parce qu'il n'y a aucun joint, vous le voyez, pour la caméra et sur l'arrière ici. Alors, on remet ceci. Ouais, moi je pense que ça rentre vraiment par la caméra ici, hein, c'est clair. Le flash aussi, un petit jour, et là il y en a un vraiment. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais reprendre ma petite bassine. Et puis, vous allez regarder la qualité d'une vidéo sous l'eau. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il faudra la lancer, bien entendu, avant cette vidéo, parce que vous l'avez vu et vous l'avez compris, c'est que le tactile ne fonctionne pas sous l'eau. Alors que les modèles, a priori, je dis bien a priori, hein, Nomu, le tactile fonctionne sous l'eau. Une autre marque, donc, qui a été postée d'ailleurs sur notre blog, la marque Ulefone, a sorti un smartphone IP68 pour lequel on peut toucher l'écran sous l'eau. C'est le Armor, l'armure. Voilà, et il y a une autre marque aussi qui a sorti un IP68 qui est le Homtom HT20 que j'attendais et que je ne recevrai pas pour le moment parce qu'il n'y en a plus. Donc ça sera un peu plus tard, mais je vais le demander ou soit le commander, on verra bien. À savoir que ce modèle, nous l'avons commandé et pas eu gratuitement. Alors, donc vous voyez, j'ose quand même le mettre sous l'eau, hein, c'est pas bien grave. Si on annonce qu'ils sont résistants, normalement, ils sont vraiment résistants. Donc, il faut y aller et on verra ça plus tard. Alors, on va lancer une vidéo sur YouTube, sur cet écran HD. Voilà la vidéo. On va se mettre dans l'autre sens pour la petite bassine et on part en immersion totale avec les oiseaux et le bord de mer. Voilà. Alors, ce que l'on va faire quand même, je ne vais pas vous laisser si loin de cette image magnifique. Voilà, nous allons zoomer et vous allez apprécier, bien écouter, pour la première de la chaîne Synodroid TV, une vidéo sous l'eau. Je vais me décaler. Alors, vous le voyez, même sous l'eau, les couleurs sont très belles, hein. Ça, c'est clair. Là, je pense que vous le voyez bien.
la tortue qui est sous l'eau, qui est vraiment sous l'eau avec le téléphone. Bref, c'est un pur bonheur que de voir un téléphone, bah écoutez, voilà, qui fonctionne, sachant que le Titan précédent ne résistait pas longtemps sous l'eau, hein. Donc là, c'est vraiment une grosse évolution des précédents Titan et Titan 2 de chez Dougie, qui ont 2 ans, hein, à peu près. Donc les T5 sont très récents, comme le T3, deux téléphones qui sont IP67 et donc qui vont sous l'eau. Vous le voyez, hein, l'image est très belle. Il y a des belles couleurs. Les couleurs sont très bien rendues, très honnêtement. Il y a un très bon traitement de l'image au niveau de la colorimétrie et au niveau de même la saturation au niveau des lumières, y compris avec des noirs profonds. C'est un écran très agréable à regarder et à utiliser en termes de tactile. Donc, bon, voilà, vous avez vu les belles images sous l'eau. On va essayer de se rapprocher de cette façon. Voilà. Ce n'est que du HD et c'est un très beau HD. Nous voilà revenus plein centre. On va sortir le téléphone pour arrêter la vidéo. Mais voilà, ce qui est vraiment pas très agréable en fait sur la couche de protection de l'écran, c'est qu'il n'est pas totalement hydrophobe. Alors l'eau coule effectivement, mais il en reste toujours. Vous voyez, on le voit bien quand même, hein, il en reste toujours ici. Là, il y a un. La partie haute semble mieux traitée que par là. Ici, il y a des problèmes de traitement de surface d'écran. Bon, c'est pas bien grave, il suffit d'essuyer, certes, hein. Bon, voilà quoi. Mais c'est dommage pour un téléphone qui va sous l'eau de ne pas avoir un traitement, on va dire, efficace, un traitement hydrophobe efficace. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le son, et puis on va écouter le son sous l'eau, voir ce que ça donne. Ça sera une grande surprise aussi. On ne sait jamais, si vous allez au bord de la mer, que vous avez envie d'écouter vos musiques préférées sous l'eau, ben on va voir ce que ça donne. Alors le test du son est prêt à être lancé. On va lancer notre titre habituel. Voilà. Alors là, on va se mettre à fond. Alors vous le voyez déjà à fond, c'est pas terrible, terrible. Ça manque de pêche, hein. Il n'est pas pêchu. En même temps, avec le film en plus ici, ça empêche le son un peu de sortir, hein. Allez, on va le mettre sous l'eau, immersion pour la musique. Eh bien, écoutez, on l'entend. Est-ce que ça fait vibrer l'eau d'après vous? Par contre, on voit la membrane. Je vais zoomer, on voit la membrane. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir vous, mais la membrane vibre. Regardez bien. Regardez ici. On la voit vibrer sous l'eau. Donc, il y a, on va dire, des basses, non, mais les médiums bas, il y en a. Mais ça manque de pêche hein, quand même, c'est pas très très fort. Hein. Mais ça voilà, ça passe sous l'eau. Alors bien entendu, on n'est pas sous 1 mètre d'eau, hein, ni sous 30 cm. Nous sommes sous 5 cm d'eau à peine. Mais vous le voyez. Alors ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que je ne pense pas que l'eau passe par là, sinon on aurait des bulles. Quoique là, il y en a en fait. Voilà, une petite bulle. Hop, elle est là, elle vient de remonter. Donc oui, il y a des petites bulles qui reviennent en fait d'ici. Alors, que vous montrer de plus sous l'eau maintenant? Je ne vois pas trop. La seule chose qu'il me reste à vous montrer, c'est la photo, vidéo et GPS pour voir si ce téléphone, vous pouvez l'emmener par exemple en montagne et qu'il fonctionnera correctement et qu'il ne vous perde pas en cours de route. Donc, chose que je vais vous montrer tout de suite. Alors, le GPS, vous avez vu les captures. Je vous les remets ici, il y en a 2. Alors, c'est assez étonnant parce que le premier fixe est fait en 9 secondes, tandis que le deuxième s'est fait en 21 secondes. C'est assez incompréhensible, mais
On va dire qu'il est moyen, très clairement. Alors, pas moyen moins, mais un moyen plus, parce que sur la route, il suit correctement le chemin. Il y a quelques petits décrochements, mais rien de bien grave. Donc, ça mérite une optimisation de ce côté-là, et je pense qu'il y aura une mise à jour prochainement. Je l'espère en tout cas. Pour ce qui est des photos et des vidéos, je vous les mets aussi tout de suite à vous de juger et j'en parle rapidement après. C'est très facile d'en parler parce que c'est flagrant et je pense que vous le verrez aux photos. Alors, pour ce qui est des photos, les photos, vous avez vu, de plein jour, c'est très bon. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il est à 100 euros, 110 euros ce téléphone. Donc, très honnêtement, ça fonctionne bien. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation avec le flash, alors, c'est là où je suis moyennement content. Pourquoi? Parce que regardez ce flash, en fait. Et je pense que c'est dû à cette plaque de métal, ce qui fait que le faisceau lumineux est très très guidé et ce n'est qu'un rond. Voilà. En fait, le rond part et il continue très légèrement comme ça, mais du coup, vous avez en fait un flash qui va faire, allez, cette taille-là, enfin j'exagère, hein, mais plus gros que ça, mais très rond. Or, ce n'est pas ce qu'on attend d'un flash, c'est qu'il prenne un ensemble sous la forme d'une lumière. Or, là, vous l'avez vu, sur les deux statuettes, les deux Bouddhas, bien le flash, il est rond et très ciblé à un endroit et il ne prend pas l'ensemble de la pièce ou de l'élément que l'on veut prendre en photo dans toute sa grandeur. Il le prend que sur un halo lumineux très rond. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, pour ce qui est de la vidéo, elle est en haute qualité, toujours de la même façon, réglée toujours de la même façon, donc vidéo en haute qualité, et je l'ai trouvée aussi plutôt pas mal. Je trouve qu'elle fonctionne bien, cette caméra, surtout pour le prix en fait qu'est ce téléphone. La balance des blanches, je la trouve assez rapide, un autofocus un petit peu lent, mais bon, on va pas chipoter, 110 euros, vous avez un téléphone qui résiste parfaitement sous l'eau. Chose qui nous reste à faire sur ce téléphone, c'est son épaisseur. Vous allez le voir, c'est pas assez costaud, hein, on va le dire. Et son poids, bien entendu. Son poids qu'on regarde donc tout de suite. Voilà, la balance est prête à le recevoir. Donc on y va. 260 grammes pour 251 annoncés par Dougie. 261, donc 10 grammes d'écart. Tout de même, bon, c'est entre 250, on va dire, et 261, la différence est tellement faible que finalement, 10 grammes, ça ne va pas vous changer la vie. On sait qu'il est costaud et qu'en gros, il n'est pas fait pour aller dans les poches de jean parce que sinon, il vous la déchire, on va dire, hein. Alors, on va mesurer son épaisseur. On y va. Voilà. 13 mm 6. On est loin des 8 ou des 9 des téléphones actuels, sans bordure, très fin, très léger, mais souvent, malheureusement, petite batterie. Bon, là, vous avez quand même une batterie de 4500 mAh et je pense que vous avez le temps de faire pas mal de choses avec. Les jeux, je vous passe les jeux parce que pourquoi MT6735P à 1 GHz avec un Mali-T 720, vous l'avez vu, on n'a pas de miracle. 23 000 de score en toutou, les scores 3D sont très faibles. Bon, ce n'est pas un téléphone pour jouer,
C'est un téléphone pour vrais travailleurs, pour les gens qui vont sur des chantiers, pour les gens qui sont à la ferme. Voilà, c'est un téléphone résistant à l'humidité, à l'eau, à la poussière, à la boue. Bref, il résiste à tout et je vous l'ai prouvé par le biais de cette petite bassine. Et mon prochain test que je ferai, je le ferai en vidéo. Là, on clôture sur ce test, mais le prochain sera le téléphone dedans, en route, sur la page d'accueil. On mettra un couvercle et il ira au congélateur. Et on va vérifier, comme toutes les marques le font actuellement, vérifier s'il résiste au grand froid. Parce que, une fois de plus, on annonce des téléphones qui vont jusqu'à moins 40. Un congélateur va jusqu'à moins 15, moins 20. Donc ça suffit amplement, normalement. Et on vérifiera donc s'il supporte une congélation et surtout le dégel. Est-ce que le choc froid-chaud est radical pour lui? On verra. Et bon, bah, si quelqu'un sera intéressé par la suite, bah, je pourrais le vendre. Je le vendrai certainement pas très cher. Hein, je perdrai de l'argent dessus, mais bon, vu les tests qu'il a subis, et encore, je ne l'ai pas jeté au sol. Hein, donc voilà, il est intact. Donc il n'aura pas subi les chocs. Moi, c'est surtout l'humidité et le plongeon, la noyade qui m'intéressait. Ça m'amusait de noyer un téléphone. Bref, je vous l'ai prouvé, il résiste parfaitement. Il est quand même plutôt efficace par rapport à son prix, 110 euros. Actuellement, il est en promo d'ailleurs. Je vais vous mettre un lien dans la description si ce modèle vous intéresse. Et là, bah, écoutez, on en a fini avec ce téléphone. Et ben, je tiens à vous dire merci parce qu'on est tout proche des 2000. C'est bientôt le méga giveaway des 1000, enfin voilà, de tous les 1000. Donc là, on sera aux 2000. Ça sera le méga giveaway avec, je le rappelle, trois cadeaux. Après cette présentation, donc, ben, je tiens à vous dire au revoir et encore merci de me suivre. Surtout, je le répète, faites bien attention à vous, la vie est courte, profitez-en bien. Ce téléphone est un exemple de bien profiter, pas cher. On peut le jeter dans la neige si vous allez au ski, il n'aura pas froid, il résistera à la neige fondue s'il fait trop chaud. Bref, je vous dis bye bye, ciao et à la prochaine grâce à la bassine. Ciao!